Coucou les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo tableau. Aujourd'hui on va faire un petit tableau. J'avais une petite image comme ça que j'aimais bien. Je voulais pas la... J'ai mon siège qui descend. Cette petite image est trop mignonne et je voulais pas l'acheter. C'est une carte postale. Je sais plus. Et je vais la garder pour faire mon tableau. Mon siège descend, je suis en train d'aller au troisième sous-sol. Là. Bon, comment ça se fait ça? Je sais pas. Bon bref, je vais prendre un fond bois parce que je vais faire un truc automnal hein, quand même. Donc je prends ce fond bois. Ça c'est sur les albums automne là qu'on a trouvé il y a quelques temps. Un crayon s'il vous plaît, merci. Hop. Je vais peut-être prendre mon coupe-coupe de manière. J'ai déjà préparé des petits éléments. Hein. Pour aller plus vite évidemment. Hop, je coupe. Et je coupe. Et hop. Hop. Ah bah il faut dire hop, hein, sinon ça marche pas. Voilà. J'ai mon petit truc là. J'ai peut-être marronné les bords. Alors c'est de la Versafine Toffee parce que bah, j'ai plus que celle-là là. Et j'ai pas recherché le marron. J'ai pas envie. Bon, déjà sur Amazon, on la trouve, mais elle est chère. Et bon. Tant pis. On fera avec. Hop. Oh. Bien joué sur ma petite truc que j'avais venu de faire. Bon, c'est pas très grave, mais ça tombe dessus. C'est des petits trucs que j'ai fait de Cricri Scrap 24, je crois. Qui fait des jolies choses. Elle a pas de chaîne, mais elle a un Instagram. Cricri Scrap 24. De mémoire. Hop, je colle mon papier. Est-ce que vous allez bien? Vous me répondez tous ensemble. Oui, voilà. Hop, j'ai mis plein d'angles sur le tableau. Alors, les petites toiles, c'est pareil, on les trouve chez Action. Pas cher non plus, hein. Elle est là ma carte. Je me disais mais ouais, je vais marronner aussi. Je crois qu'il y avait déjà du marron derrière, mais bon, c'est pas grave. Il y avait un petit nœud, bah, je vais le laisser, ça fait joli. J'ai découpé une petite porte toujours dans les blocs action de l'automne, là où il y a des champignons, des trucs. Je la garde aussi, je la marronne. Et je m'en mets surtout plein les doigts. Ah bah si, sinon ça va pas. Je vais me prendre un petit papier carreau comme ça. Que je viens couper. Grosso modo. Oh, il est un peu petit. Ou alors je le déchire, je sais pas. Comme ça. J'avais dit j'en prenais un autre ou pas? Est-ce que je fais sur 3? Je crois que oui. Voilà, ça c'est un autre bois, mais c'est pas mal non plus. Je viens couper aussi, ça c'est un peu des chutes. Non, c'est des chutes que j'avais un peu. Je peux même me faire plus court celui-là. D'habitude je déchire, mais là je sais pas. Je vais faire un peu comme ça en quinconce. Allez hop, on colle. La jute aussi c'était joli. Mais bon, moi, je vous le dis depuis longtemps, j'aime bien tout ce qui est carreau. D'ailleurs, faut que je me trouve des chemises à carreaux, j'aime bien. Hop là. Mais pareil. Pareil. Vous passez pas. Voilà. J'ai cette dentelle que j'aime beaucoup. Est-ce que je la mets? Je la mets pas. On n'en sait rien. Oui. Est-ce que je mets ça comme ça? Par exemple. C'est très joli, hein? Non, pas en bas, mais comme ça, ouais, je vais la mettre.
Alors, je pense que je vais la mettre avec du double face. Voilà, on va faire comme ça. Ça tient pas des masses, hein. J'aime autant vous le dire. Ça tient pas des masses. Hop. Oui, je vais essayer que ça fasse automne, mais bon, c'est pas du Halloween, mais on, si je peux placer ma petite citrouille, hein, ça serait mignon. Ça décore une maison, c'est des petites décos éphémères, hein, comme ça, mais c'est le temps de la saison, voilà. Là, on va essayer de mettre ça comme ça. Va-t'en. Ah oui, j'ai ma petite porte aussi. Bon, des fois, je prends des éléments, c'est pas dit que j'y mette non plus. Hein. Des fois, ça va pas dessus, quoi. Ah, quand ça, c'est marrant, quand ça veut, quand on doit bien coller, ça colle pas. Et là, ça colle pas, par exemple. Toi, hop, tu vas là. C'est Sylvie qui m'avait envoyé, Sylvie Corbillet, qui m'avait envoyé cette magnifique dentelle. Là, je vais essayer de faire ça. Ma petite porte, elle était là, mais faut voir, hein, c'est pas dit que ça aille non plus. Hein. Je sais pas. Pas spécialement. Hein. Ça, j'avais mes petites citrouilles aussi, je trouve mignonnes. Et là, on verra si on met... Ah oui, j'avais ce mot-là aussi. Donc, je vais bien le redécouper. Même à ras du marron. Attendez, voir. Hop. Hop, j'ai mis mon pistolet à chauffer, je sais pas pour trop pourquoi, mais bon. Ça, on mettra le petit mot en 3D, là. Attends, t'es pas bien coupé, toi. Bon, bah, t'es encore moins bien coupé, là. Pas très, très grave, mais enfin, quand même. Et puis, j'ai fait une tache au milieu, c'est bien. Je te jure. Bon. Allez, ça fera vintage. Voilà. Attends. Ouais, j'ai fait une tache juste là. Bien au milieu. Hein. Elle aussi, je crois que je vais la mettre en 3D aussi. Voilà. Je pense que je vais. Qu'est-ce que je fais? Je la colle, je la colle pas. J'ai un peu de toile de jute là. Bah ça, je m'en sers tout le temps, mais je crois que j'en ai plus. Vous voyez, vous superposez les matières et ça fait pas mal. Alors le tout est de savoir si la carte, je la mets droite ou pas droite. Je sais pas. Comme ça, je sais pas non plus, ma petite citrouille, si jamais sur du tissu ou pas. Bah, tu sais pas grand chose, dis donc. Alors attends, je pense qu'on va la mettre droite, on va mettre ça. Comme ceci. Pour dire que ça tienne bien bien non plus, mais bon. Si vous n'êtes pas sûr, moi j'ai pas du bon double face, hein. Il y a des double faces rouges là, qui tiennent bien. Bon, j'en ai pas, donc je suis avec. Hein, je mets plus. J'achète plus plein de scrap comme ça déjà parce que j'en ai beaucoup. Et j'ai pas acheté pour acheter, quoi. Vous voyez? Voilà, et ça je peux le mettre là. Ça je peux le mettre. Je crois que j'ai enlevé le tissu là. Ça je peux le mettre là. Ça fera pas mal. Oui.
tu coupes pas droit, Sylvie? Non, mais explique-nous. Ah non, ok. Et ça... Je cherche, hein. Pour l'instant, il faut... Comme ça. Et là, j'ai un manque. Un manque à gagner. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? C'est ça qui est... j'ai pas envie de mettre... là, j'ai des petites ronces, là. C'est mignon, mais... J'ai pas envie de mettre de vert. Non. Parce que, comme c'est très vert... Alors, j'ai pas de feuilles d'automne. Hein, j'en avais, mais j'en ai plus. Je vais aller voir dans mes die-cut. Ça tourne ou pas? Ouais. Oui, c'était ce qu'on trouvait là l'année dernière, ça, les petits die-cut. Là, là j'ai une belle feuille. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est le blanc entouré de blanc, mais on fera avec. Hein. Et c'est pas tout ne va pas, attention, hein, tout ne va pas. Et j'aime beaucoup les citrouilles blanches. Mais bon, c'est pas un tableau d'Halloween non plus. On est bien d'accord. Elle est belle celle-là. Hein. Bon, la mienne, elle fait plus rustique. J'aime bien la mienne quand même. Hein. Celle-là. Champignou. Ça peut être. Ça m'énerve que ce soit entouré de blanc. Alors là, franchement. Tiens, les petits glands, ça c'est très mignon. Ah, ça m'énerve ça. Puis j'aime bien aussi quand tu as des éléments naturels, du bois, des choses comme ça. Je vais aller regarder ce que j'ai d'ailleurs. Et puis, ça m'énerve ça. On va faire comme ça. D'accord. Ça, je vais peut-être passer en dessous, je sais pas. Comme ça. Ça peut être joli. Hop, 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 hop. Voilà. Un peu comme ça, un peu tordu. Hein. Ma petite truc, la fille, elle y tient sa citrouille. Là. Ma petite feuille. Je viendrai la mettre là ou là, je sais pas. Je vais déjà mettre ça. Ça, je la colle en normal. Hein. Comme ça, ça, je vais venir le mettre. Ça repart. Donc, j'ai collé ça. Alors là où il y a une petite tache, je pense que je vais mettre un petit cœur parce que ça va. Bah, ou une petite coccinelle peut-être, tu vois. Bon, une coccinelle en automne, ça m'étonnerait. Hein. Là, il y a une jaune, mais ça va pas. Enfin, si j'ai pas la couleur. Et une rouge à carreaux. Ou un petit cœur doré comme ça. Allez, hop, ça ira mieux. Oula. Puis ça va cacher la tâche. Hop. Voilà. Ça, il vaut mieux le refermer. Sinon, c'est la catastrophe. J'ai trouvé ces petites paillages chez Action Orange. Sauf qu'ils ont fait des plis, là. Pour plier la paille, ça ressemble à rien. Parce que, de toute façon, elle ne se plie pas. Donc, bah, je sais pas. Puis je sais pas si je le mets. Hein. J'en sais rien du tout. Je pensais mettre une comme ça, mais c'est pas dit. C'est pas dit. Je sais pas. Et je voulais mettre le petit drapeau américain parce que ça fait américain. Je sais pas, j'aime bien. T'aimes bien? Bah fais-le. Voilà. Ouais. Je sais pas quoi. Si je le mets ou je le mets pas. Vous voyez? C'est quand même. Je sais pas. Pas.
Peut-être ça se prête pas, hein, vous me direz. Hein. Peut-être que ça se prête pas. Ça se prête pas. Mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas, bah le fais pas. Alors attends, qu'est-ce que... Ou des petits, un petit truc en bois. Qui irait avec la... Ou un champignon. Écureuil, c'est très américain. Champignon, c'est pas américain. Je sais pas. Je m'excuse, hein, je fais tarder, mais je sais pas. Le petit lapin, bah non, j'en ai pas. Après, il y a ces petits trucs là, non. Comme ça, vous allez voir. Bon, ça fait, c'est sûr, un petit drapeau, un petit tableau nord-américain. Je vous l'accorde. Mais en même temps, j'aime bien l'ambiance. Ça. Oh, dis donc, on dirait un souvenir que j'ai ramené de là-bas. Dis donc. Ça, j'essaye. Hein. J'essaie de voir où je peux te placer. Peut-être comme ça. Je crois que c'était, j'avais eu ça chez Nose. Bon, il y a bien 2 ans. Hein. Il me semble. Voilà, je sais pas, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est des belles feuilles. Tellement beau. La petite clé. Je sais pas. Et c'est vrai que là-dedans, il y avait un truc. Il y avait le petit mot farmhouse et que j'aimais bien. Et les petits nœuds aussi, j'ai trouvé très mignons. J'en ai vu sur, sur AliExpress, mais c'est mignon quand même. Ouais, ça serait mieux avec le tampon. Hein. Ça y est, on va avoir fini. Hein. Je sais pas, peut-être que je passerai à l'accéléré parce que c'est trop mignon. Hop. Comme ça. Et la petite gerbe de blé là. Bon, j'aurais pu mettre un vrai épi de blé. Hein. Pas mal ça. Ça permet aussi de se servir un peu des die-cuts, évidemment. Parce qu'on peut pas non plus faire des milliers de cartes. Hein, déjà. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La théière, moi je crois qu'il est assez fourni mon tableau. Hein. On dirait qu'il n'y a pas d'éclairage. Du tout. J'essaierai d'éclaircir le film. Est-ce que je mets les petites ronces là? Ça aussi c'est très... Je sais pas où. Non, je crois que c'est bon. Hein. Après, ça va faire trop une petite pelote de laine, mais j'adore. Alors, j'ai vu tes passerapes, elle a fait le tuto des petites pelotes, là. Il y avait Maya aussi, qui c'est elle qui m'avait envoyé ça. Ah oui, elle m'a dit, est-ce que je mets des petits clous comme ça? Vieil or. Peut-être pas mal. Hein. Elle a l'air de coller, en plus, cela. Des fois ça colle pas, mais voilà. Attends, on va faire 3. Donc, il faudrait peut-être mieux les mettre avec de la colle chaude. Voilà, je trouve que c'est parce que vous en pensez. Eh ben vous me direz tout simplement. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si c'est pas fait. Et puis on se retrouve très vite pour une vidéo boîte aux lettres. Je vous fais de gros bisous.
Le défi de d'automne, ça se termine le 25 octobre. Donc bah, vous avez encore du temps pour faire de votre petit ticket frayeur que je vais faire avec vous aussi, bien sûr. Bisous, bisous. Bye bye. It's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, to put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yeah. Yes, I'm on my way.